Bonjour, je m'appelle Géraldine de XR Pédagogie. Aujourd'hui, je suis dans AdSpace VR. AdSpace VR, c'est un réseau social en réalité virtuelle. Et vous allez le voir, ça peut être très intéressant dans un usage éducatif. Alors, la première fois que vous vous connectez à AdSpace VR, vous pouvez vous connecter d'un ordinateur ou, comme je suis là, depuis mon casque de réalité virtuelle. Et vous arrivez dans cet environnement. Vous êtes tout seul, il n'y a personne au début, car c'est dans cet environnement que vous avez un petit peu vous habituer à vous déplacer et à utiliser les différentes commandes. Donc, on va le voir tout à l'heure plus en détail, mais derrière moi, c'est l'intérieur de l'appartement, un petit appartement sympa de centre-ville, et devant une petite cour pour s'entraîner à utiliser. Vous venez, je vais vous faire visiter. On va commencer par l'extérieur. Suivez-moi. Vous venez? Alors ici, c'est très intéressant. La première chose qu'on voit, c'est la jolie vue. Et une des choses que je me demandais, c'est est-ce qu'on peut tomber du monde? Est-ce qu'on peut tomber de cette terrasse? Eh bien non, il y a une sécurité, on ne va pas pouvoir tomber. On voit des éléments qui sont un petit peu animés, mais globalement, ça reste assez simple. Alors, venez, je vais vous emmener, on va s'amuser avec des feux d'artifice. C'est par là, suivez-moi. OK. Donc ça, c'est un des premiers petits exercices que l'on va faire. Du coup, c'est de savoir utiliser les feux d'artifice. Donc on apprend à le saisir et puis on apprend à le lancer. Suis pas encore complètement douée. Voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, on peut aller dans cette direction. Vous avez le petit stand de basket et on va s'amuser avec les ballons. Mais c'est parti. Alors ici, on peut s'amuser un petit peu avec les ballons. Voilà, hop, j'en prends un. Je vais essayer de réussir ce panier. Ouais, c'est pas gagné. Ok. Alors, je ne sais pas si on l'entend très très bien, mais on entend même les bruits de ce ballon de basket lorsqu'il tombe par terre, qui vont faire vraiment des bruits similaires. Bon, c'est pas là, on n'est pas là forcément pour jouer. Même si on voulait, on pourrait hop là, lancer des balles comme on veut. Mais on est surtout là pour apprendre à servir des commandes. Voilà, on apprend. Ah, je vais essayer d'en réussir un quand même. Yeah! Ok, maintenant on va aller à l'intérieur de l'appartement et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble. C'est par ici. Voilà. Ici, donc, c'est l'autre partie de ce petit appartement sympathique de centre-ville, avec par ici un petit feu de cheminée. Et pour vous dire, on entend même les ventilateurs là qui sont là-haut. Je ne sais pas si on peut bien les voir. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur. Ce qui est très intéressant avec AdSpace VR, c'est qu'à tout moment, on s'entend parler. Là, une spatialisation du son. Donc, typiquement, si je me retourne, vous devriez être capable de l'entendre un petit peu la différence. Mais on entend aussi, on a la possibilité, pardon, on a aussi la possibilité d'utiliser des petits emojis. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a une commande qui s'affiche face à nous et qui nous permet de choisir un certain nombre d'emojis. Allez, maintenant c'est parti, on va retourner dans l'autre partie de l'appartement et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs manières de se déplacer dans AdSpace VR. On peut se déplacer en marchant, comme je le fais là. Voilà. Mais on peut aussi se déplacer en se téléportant. Alors, se téléportant, ça veut dire quoi? Ça veut dire viser une zone avec un curseur et on va appuyer sur le bouton, ça va nous téléporter dans cette zone précise. Ça nous permet de nous déplacer beaucoup plus rapidement et c'est bien commode quelquefois. Voilà. Après, on a les deux modes. Donc voici ici l'intérieur de cet appartement. Comme vous voyez, on peut totalement venir sur les meubles si on le souhaite, enfin au-dessus.
et aller à peu près partout visiter. Alors, on a décidé de vous présenter un certain nombre d'applications de réalité virtuelle dans ce monde pour vous faire partager également une ambiance d'immersion comme Avatar. Donc, AdSpace VR, c'est gratuit. Quand vous arrivez ici, c'est gratuit. Et il y aura un certain nombre d'événements auxquels vous pourrez participer. On y reviendra plus en détail. Je vous dis à très bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en dessous ou à venir visiter notre site internet www.xrpédagogie.com. Voilà, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu.